Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Nouvelle la tombée, Premier ministre transition, Gary Conille, l'île en route, l'île pas loin atterri dans la coupe pays d'Haïti. Et déjà là, il y a une grosse disposition qui prend par bon côté conseil présidentiel transition. Et Gor le Blanc-Fils, président conseiller, qui a présidé conseil pour 5 prochains mois, l'île parle qui saldi, qui position, qui disposition qui prend, rete là, nous prenons tout détail. L'ambassade américaine mène une grosse opération dans la coupe pays d'Haïti. Nous gagnons secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui lui-même, haïtien fraîcheur, a décidé de rentrer dans 5,50 m, président dominicain Abinader, dans le dossier Haïti, qui s'abagaille ou pral gagner détail. Pasteur Moïse, paysan nord-est, paysan barra, pleine Maribaou, haïtien fraîcheur, yo fini. C'est fini, yo fini avec Jacquito. Yo voyez tellement pour Jacquito et gros déclaration faite. Si bagay sa yo c'est vérité, haïtien fraîcheur, nous mêler, nous porter en pile information pour vous sur le dossier Kenya. Nous pral barou tout détail si la yo. Déjà m'a évité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner. Activez la cloche de notification et comme ça, vous prêtez connecté avec nous, pas prêtez aucune non vidéo de formation, n'a pas gagné pour nous poster. Compatriotes haïtiens frères et sœurs, n'a pas commencé et n'a pas commencé émission, je dis avec citoyen ça, Adine Douélé qui c'est yon rocade dans la police Kenya, eh bien lui voyait gros message pour tout le monde, il voit un message pour gang, il voit un message pour population, pour monde qui sceptique par rapport avec qui est ce policier Kenya yo ye, qui ça yo ka fait, qui ça yo kon fait. Eh bien qui ça Aden Douélé et doit aller lui déclarer. Eh bien il dit que n'a vin en Haïti. Nous pas voye Haïti policier nous konwe qui a fait circulation dans la rue, policier nous konwe en bas lumière yo. Non. Nous gagnons des policiers spécialisés, nous gagnons des unités spécialisées qui paraît qui ka gérer n'importe scénario lié à gang nan vini bâton, kidnapping nan vini bâton, bandi ak cravate nan vini bâton, bandi ak sapat la vini bâton, n'importe scénario à guérilla, kidnapping, embuscade, eh bien Aden Douélé li fè konnen. Eh bien, yon gen des unités spécialisées, yon gen des polices spéciales qui yon même yon ka gérer n'importe scénario, n'importe situation. Et qui sa li ajoute, compatriote haïtien frère Sem, li dit comme ça, li pa konnen pour qui ça, li pa ka ton pour loué policier Kenya yon débarqué en pays d'Haïti et sortande à la pour bagay yon changer, pour bagay yon chavire. Donc, Aden Douélé lui-même, lui était très positif, lui était confiant que Kenya Kavin résoudre situation, Kenya Kavin aider, vin résoudre situation qui gagne là dans la coupe pays d'Haïti. Mais côté situation, on dit, j'en m'en bon, mais là, compatriote haïtien frère Sem, c'est ça n'a pas gardé là avec moi. Eh bien, j'en nouvel là, compatriote haïtien frère Sem, eh bien, déjà là, gagne une situation. On ti Jean Malouk qui présentait devant nous et surtout avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Qui ça Anthony Blinken et préparé le jour qui vient pour venir là, qui ça qui a fait, qui ça qui a arrivé avec République Dominicaine et surtout avec déploiement force multinationale. Je n'ai pas regardé là, et bien Anthony Blinken a été direct. La mission internationale est reportée jusqu'à ce que la République dominicaine garantisse la sécurité à la frontière. Le secrétaire d'État a assuré à Luis Abinader que les gangs sont soutenus depuis notre pays en complicité avec les militaires. Donc, nous avons un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui est très direct. Notre petit bat bouche était avec le président dominicain Luis Abinader. Eh bien, l'Italie dit à Abinader que force multinationale là pour déployer en Haïti, mais faut qu'on résoudre avant tout problème gang qui gagne, faciliter gang dans la coupe pays d'Haïti yo gagne pour yo jouer une zam, pour yo jouer une balle qui sorti en République Dominicaine qui vient jouer nous en Haïti. Pour qui ça? Parce que le département d'État américain yo estime que bandi dans la coupe pays d'Haïti yo yo en complicité avec et des séries de gouades, des séries de nègres qui n'ont au commandement l'armée et dominicain qui ont même abjuré question frontière. Lieutenant-colonel, colonel qui a abjuré frontière et Jimani et un paquet l'autre point frontalier, etc.
Eh bien, dans ce sens, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, il y a un gros changement qui fait dans le poste frontalier. République dominicaine, ministère de défense dominicain, eh bien, ils décidé pour remplacer et tout commandant qui a gagné dans la base Pedernal, dans la base Jimani, Elias Pignas avec Darabon. Donc, par rapport à la pression États-Unis a mis comme quoi, gagner complicité, gagner relation, gagner amitié, gang dans la coupe pays d'Haïti avec commandant, avec colonel, avec sergent, avec lieutenant dans l'armée dominicaine. C'est cocotte avec Figaro, c'est facilité armes, c'est facilité balles sortir en République dominicaine rentrer en Haïti. Eh bien, département d'État américain là, pression yo, vous comprenez, petit tapis à bay Abinader, c'est pour gérer question frontière là, assurer que frontière Haïti République dominicaine n'a contrôlé, c'est moun fiable qui la donne, c'est pas moun qui pral créer une situation qui plus difficile pour Kenya le Kenya rentrer. Donc faut que yo clean frontière yo, mettez moun qui compétent, mettez moun qui pas dans relation à gang, et entre-temps le Kenya arrivé pour pas gagner et pour situation pas difficile, pour zam avec balle pas rentrer avec même facilité, ça qui pral permettre que si bandi yo pas gagne assez balle, yo pas gagne assez munitions, donc police nationale d'Haïti pral gagne avantage sur yo, police nationale d'Haïti a ka marcher sous fiel bandi yo. Donc nous comprenons. Eh bien compatriotes haïtiens frères sœurs, effectivement gagne gros changement, gagne passé mais qui fait non et gagne passé mais qui fait dans frontière République dominicaine yo. Et surtout n'a gardé Pedernal Jimani Elias Pignas, yo changé lieutenant qui était d'abord non, yo remplacé par lieutenant colonel José Mateo, parce que et gagne moun ka régler bagay en bapay avec gang dans la coupe pays d'Haïti. Donc là, nous plus ou moins fixés par rapport avec ça qui a fait entre Haïti et République dominicaine, et surtout leurs amis ont sorti États-Unis. Si ils rentrent directement en Haïti, ils ont transité en République dominicaine, ils rentrent en Haïti. Donc, il faut qu'on ait des gens sous frontière là, il faut qu'on ait des gens qui ont agressé, mais qui ont payé, qui pourront faciliter ça, qui pourront avoir possibilité pour que les choses soient faites rapide, rapide, pressé, pressé. Eh bien, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, eh bien, République dominicaine, Abinader obligé met ton tilo dans du vel. Mais faut que moi di ou là et gagne l'autre nouvelle qui vient joindre nous. Tout si on attendait vite l'homme aider ambassade américaine récupérer cadavre de américain yo etc., etc. Eh bien haïtien frère chum, nous pral permettre tout tendé. Dans bon ti mamite parce que nous pas capable faut tendé. Dans bon ti mamite nous pral permettre tout tendé compatriotes haïtien frère chum. Comment États-Unis lui-même li ta fait et pour river faciliter et pour river faciliter que cadavre de américain qui tombé en bas bal bandi yo pour récupérer yo pour voyer aux États-Unis en attendant. Ça CNN rapporté responsable américain ont fait gros mobilisation pour prendre cadavre Davy ak Natalie Lloyd. Selon ça diverses sources fait médias américains connaît gen opération gouvernement américain te bien monté pour te récupérer corps des jeunes sa yo en urgence. Yon nan moun ki te impliqué nan opération sa di CNN, li te possible pour bandi yo pran cadavre américain sa yo vendredi passé à nan matin. Pour yo te rive pran yo, gen un service ambulance privé qui te gen mission pour aller dans zone nan avant même autorité haïtienne yo rive sous place. Média américain a révélé membre gang yo te bloqué équipe ambulance lan sou route yo. Mais en source qui était au courant de l'opération a dit te gagne une intervention extraordinaire bon côté responsable américain en Haïti qui rapidement te agi pour négocier avec plusieurs chefs gang dans région pour yo te ka gagne accès libre pour ko yo déplacer. Vite l'homme innocent c'est un chef gang qui te recevoir appel dans téléphone pour faciliter récupération cadavre des jeunes américains yo. Vite l'homme dit CNN après au fin relèl il te fait tout ça qui possible nan niveau pal pour parler avec bandi qui contrôle les zones lison an, pour ambulance là ka gen accès al prend koyo chef gang krasé barrière que FBI a cherché et qui gagne 2 millions de dollars sous tête li déclaré by CNN que la mort 3 missionnaires parmi yo 2 américains c'est une histoire qui triste parce que li dit c'est servi yo te vinn servi population an. Après intervention vite l'homme nan CNN rapporté machine urgence yo te rapidement autorisé pour continuer route yo juste yo rivé sous site côté 3 cadavres yo te ya. Yon fois côté Davy ak Natalie qui te espace là
yo te transféré yo nan yon morgue nan yon l'hôpital local. C'est ça, yo nan même équipe ambulance la di chaîne américaine nan retiré yon cadavre sous yon scène crime comme ça. C'est yon gros violation protocole légal. Gen yon sous ki di média américain, responsable haïtien ont été obligé accepter inspecter koyo après ont été fin relocalisé. Cadavre Devi ak Nathalie Lloyd quitté Haïti en toute sécurité hier jeudi a nan yon vol ki ale Miami. Après y ap gen pou fè yon série escale avant yon rive jeudi vendredi a nan après-midi nan zone Neo Show, l'état Missouri côté famille ou ap viv. N'ap signalé res koyo ale nan yon avion ki gen la donne ambassadeur États-Unis en Haïti a Dennis Hanskins ak divers agents sécurité américain. Yon porte-parole département d'État di CNN y ap aidé et puis prend disposition jan fami an souhaité ça pour permettre koyo ak tout affaires personnel monsieur Damio retourner États-Unis comme ça doit. Nan yon note yo mette de yo ayer jeudi a fami an fait konnen yo pas souhaité aucun média vin assister atterrissage avion ki pote cadavre yo parce que yon vle préserver intimité victime yo. Nan même note ça yo annoncé enterrement des jeunes américains ap gen pou chante nan commencement semaine k ap vini la. Voilà. Compatriote Haïtien Freshem, là ou sot gen tout détail et sou comment États-Unis, ambassade américaine, ambassadeur de New Hankins et comment yo planifié, comment yo monté kou yo pour yo rive récupérer cadavre de citoyens américains. Aux États-Unis qui toujours bon formule, on ne négocie pas avec les terroristes. Nous pas négocier avec terroristes, nous pas chita parler avec terroristes. Eh bien compatriote Haïtien Freshem, ta remè konnen moun sa yo rele yo, moun ki ba yo passage, moun ki ba yo route, moun ki facilite yo vite l'homme innocent tout l'autre yo ki a choyé. C'est les enfants du bon Dieu. C'est de ces yo pas terroristes yo même. Donc n'ap comprenn. L'am di nou c'est mal c'est les ka foulé, c'est ça, c'est formule là. Donc jounen jodi an ap comprenn. Si États-Unis vle di rele pa son coup de fil di bon di bandi yo monte volume nan y ap ka di bandi yo monte volume nan. Si yo vle di bandi yo descend volume nan y ap ka di bandi yo descend volume nan. Si yo vle di bandi yo attaquer y ap ka di bandi yo attaquer. Si yo vle di bandi yo éliminer exterminer craser briser y ap ka di parce que contact proximité yo gen avec gang yo gen avec bandi nan la coupe d'Haïti n'ap comprendre ni. N'ap comprendre ni et pareil yo clair devant yo nous. Nèg sa yo ki gang ki bandi kap touye kap terroriser population moun ki sa défense yo zam yo soti la ka États-Unis bal yo soti la ka États-Unis mais jounen jodi a c'est États-Unis kap mande gang kap mande bandi yo service n'ap nou vann nan zobop compatriote Haïtien Freshem et puis n'ap chita n'ap ton la man tombe ki est kap pote la man nan même moun kap manje petit nou yo même moun kap touye petit nou yo même moun kap détruit petit nou yo. Bagala tellement belle, bagala tellement douce, nous tellement à l'aise dans misère, nous tellement à l'aise dans insécurité, nous tellement à l'aise avec politique bouchée ne boîte de senti ça que yo fait nous supporter, à avaliser là, kounye a yo ba nous en premier ministre à distance, yo ba nous Gary Conny de loin. Vous comprenez compatriote Haïtien Freshem, mes formules là. Donc qui sa Gary Conny a privé faire, qui sa Gary Conny a privé porter, délivrer comme marchandise. Nous pouvons reconnaître. Est-ce que nous avons gagné attente? Nous plein attente. Gary Conny, nouveau premier ministre transition. Jean Bagayo est là, il s'est cementé, ça t'est passé dans la veille, il n'a pas passé dans l'enterrement. Il déjà travaille sur un plan, il déjà travaille en collaboration avec le conseil présidentiel transition pour évaluer et choisir chaque grain de monde qui a gagné pour faire partie de gouvernement lié. Il n'a pas en affaire avec incompétent. Ak inutile ak incapable tant pour les autres qui passaient déjà yo on nous attendait regarder ensemble avec tout détail que premier ministre transition li a bail pendant li tout profiter voyer gros message bay peuple haïtien Gary Conny je bagay yo commencé là Gary Conny dit pas gè campé et bien on a regardé attendé détail que la bail on a bonsoir. Non, pas moi, c'est Gary Conny. Et comme nous avons déjà connu, mardi passé, le conseil présidentiel a demandé pour me bailler un petit soutien à la transition comme premier ministre. Moi, j'ai déjà dit que c'est pas une décision de prendre la légère. Parce que tout conseil, ensemble, organisation, représenté, t'es organisé
toute une série de réunions avec différents candidats. Pour comprendre la vision candidat. Pour assurer que le candidat comprenne le contexte politique pays. Et puis pour surtout que le candidat soit pour le conformer avec l'accord pour mais surtout, je devais assurer que nous avons choisi des points non-partisans, des points honnêtes, bien expérience à qualification qui est nécessaire, et puis déterminé pour travailler en partenariat avec le conseil pour sortir du pays en crise. C'est avec impression, le marqué des listes candidats qui ont gagné, nous avons dit que c'est avec un pile humilité que nous avons accepté. Et m'a tout profité de l'opportunité pour remercier chaque conseiller ensemble avec l'organisation qui débat au mandat pour confiance que maintenant moi. Et moi engagé moi déjà pour travailler en collaboration serrée avec tout conseiller pour résoudre les problèmes urgents que le pays a. Avec gros défis qui attendent nous, moi crois que le pays noir se font gros pas. Nous, pour la première fois depuis plusieurs générations, groupe politique qui était adverse, qui était là depuis longtemps, qui était dans Chine et je joins nos gens, je tombe d'accord sur une personnalité qui est indépendante, qui n'est pas partisan, qui a venu de reconstruire pour nous capables de reconstruire la démocratie. On va profiter tout pour remercier Pochako, Observatoire Jeunesse, RIN, avec l'organisation d'Apora, qui était pour candidature devant le conseil. Je remercie toute notre organisation, société civile, personnalité politique, l'Église protestante, l'université, secteur vaudou, qui ont même tout spontanément supporté le projet. Moi, avoue avec un pile humilité que je ne vais pas accepter ça. Si je ne pas sentir que je suis pile solidarité et je suis pile organisation qui prend engagement envers moi pour supporter nous dans la tâche. Et responsabilité que vous avez. Qui compte mieux que nous et pour qui ça me fait cette conversation avec nous? La nouvelle sélection est arrivée, moi j'étais Antigua, dans une conférence de 10 pays qui c'est il t'a fait et gagné chef d'État, tout chef de gouvernement qui était réuni avec le secrétaire général, avec toutes vos autorités des Nations Unies. Le mot se voit nouvelle là. Immédiatement, je prends la disposition pour discontinuer la participation à l'atelier, pour m'écrire Nations Unies pour faire comme ça, et puis pour me prendre la disposition pour me séparer de l'organisation. Premier avion jeune qui est sorti mercredi, je prends pour me retourner à Panama, pour me ramasser à faire, pour me faire un dossier avec les Nations Unies, pour me suivre que je quitte tout le pays en ordre à cause de toute responsabilité que je prends, et pour me passer tout dossier qui est sous responsabilité. Mais entre-temps, depuis mardi, nous ne sommes pas chômés. Nous avons une conversation informelle presque chaque jour avec 100 000 en communauté nationale et internationale. Nous connaissons que le conseil lui-même continue à travailler activement déjà pour identifier le profil qui pourra former le gouvernement. Nous avons déjà dit que nous pourrons travailler pour le gouvernement de transition, refléter courage, générosité, résilience, avec diversité peut pas ici. Faut que ni femme, ni garçon, ni jeune professionnel qui n'a pile d'expérience, vienne poter coller dans un gouvernement qui c'est gouvernement pareil. Après, rappelez-nous que par exemple, l'âge moyen de population haïtienne, c'est haïtienne, c'est 23 ans. Donc, jeune, vous êtes bien représenté. Plus passer moitié de population, c'est femme. Faut que femme joue une place dans le gouvernement. Et faut que même tout yo là. Diaspora, c'est gros support lié pour l'économie pays. Il faut que yo joue une place yo dans le gouvernement ça tout. Et évidemment, nous pouvons faire tout ça nous capables avec CPA pour nous joindre les monde qui compétent, monde qui pratique, monde qui honnête, qui remet pays et qui paraît pour sacrifier pour nous-mêmes pour pays. Amis moi moi, on est pays à traverser une période qui est très difficile. Et malgré un pile sacrifice policier, nous avons fait d'amis à faire, groupe armé occupé une grosse partie dans la région métropolitaine. Il a violé, il a tué finon à petite fine.
et au fait sans punition. Plusieurs centaines de milliers de compatriotes obligés de quitter Kayo, et puis je dis à yon dans la rue sans soutien. Presque moitié population pas assez manger pour manger chaque jour. C'est dans les 10 pour 4 millions d'élèves à l'école, apprendre sans faire sauter et puis faire examen. Quand à vous, mon malade, médicaments dispensés à l'hôpital, vous tournez luxe. Si vous commencez, fermez vos yeux. Puis la vie a augmenté 4 fois. Et face à tout ça, et une fois que vous avez eu un Dieu, nous sentons pour contre nous. Nous sentons comme si c'est l'État abandonné nous. Nous perdons toute bagarre. Nous perdons non seulement toute bagarre, mais on dirait même l'espoir de nous sortir pour perdre. Mais quand nous avons un ancien président d'Haïti qui a rappelé tout dernièrement, car il met en pile, je ne sais pas. Si nous mettons nous ensemble, nous avons garanti de sortir dans sa vie là. Moi, toujours crois que par une fatalité haïtienne. Encore hier, moi, j'ai visité un pile pays traversé. Et moi, je vois comment leur population, mes têtes ensemble, ils ont sorti là-dedans. Ils pourraient dépendre de nous pour nous mettre têtes ensemble et me suivre que la bien encore d'arrivée finale. Un des premiers ministres, première fois en 2011, m'a rencontré tout ancien chef d'État à gouvernement qui était encore présent. Moi, j'ai demandé au conseil sur qui ça pour m'attendre dans le poste premier ministre, l'organe qui s'est appliqué ça. Et plusieurs m'ont appelé au conseil. Mais il y a un conseil que Pape Jean-Louis, c'est le conseil feu président Prévost. Il dit, mon conseil Gary, la population, ça a tellement souffri, il y a tellement d'allemands, il y a tellement pour mettre des bagages que le Pape Jean-Louis. Conseil m'a dit, c'est pas pour mettre rien qu'on part sur pour un cabaye. Parce que si vous-même tout vous perdez du confiance population, vous partez dans le joigne. Malgré bon conseil, ça m'a pris un rival de l'homme, je dis à ma responsabilité pour l'engagement devant nous. Nous pouvons faire tout ça, nous, capables, pour transition, ça a réussi, et pour nous gagner institutionnels, pour y en place, dans tant que accord doit avoir la prévoie. Premier, nous mettons quoi? Pays noirs sont gros pays. Peuple noir sont gros peuple. Nous pas qu'à faire en fait, nous comptons. Nous pas qu'à attendre pour nous commencer le combat de l'espoir, ça, avec. Nous pas qu'à attendre pour tout haïtien qui a discipliné, libé, tout partout dans le pays, sans insécurité et sans cœur sauté. Zanoni, Haïti n'a pas de pays et Haïti n'a pas de pays. N'a pas eu vite, vite pour commencer le travail et pour remettre le pays sous les rails. Merci encore pour confiance que nous faisons et maintenant de nous si patience pour nous travailler main dans la main. Voilà, compatriotes haïtiens fraîchement, nous s'entendons. Premier ministre Gary Conille qui t'a adressé la population, qui déjà là, lui a annoncé, lui commence le travail, lui déjà en consultation avec divers acteurs politiques, diverses organisations de nos pays, pour regarder le plus rapidement possible comment il a mis Haïti sous rail sécurité, rail stabilité, préparer élection. Il y a un ami qui dit, Yannick, m'te do di premier ministre haïtien. Gary Conille n'est pas premier ministre haïtien. Gary Conille, c'est premier ministre CARICOM, premier ministre États-Unis, etc. M'kone bagaille difficile pour nous. M'kone nèg ak fòm ka fè politique dans la coup pays d'Haïti, yo ki ton gwa amè nan bouche nou. Yo ki ton mauvais goût nan bouche nou. Parce que, compatriotes haïtiens fraîchement, modèle politique qu'a fait actuellement dans la coup pays d'Haïti, son politique vendue, c'est la politique des vendus, des achetés, des achetables.
C'est ça lié. Parce que yon pas fait politique à l'interne, yon a fait politique qui dicté par l'international. C'est moun de yon kap di yon ki sa pou yon fait. C'est étranger kap mette yon chute ensemble. C'est étranger kap choisi pou yon. C'est étranger kap impose yon. C'est toujours ambassade, c'est toujours corps groupe, c'est toujours BINU, c'est toujours international. Mou comprenne frustration zami, yon le yon di conseil présidentiel lan, yon pa konne yon gen président, yon pa konne yon gen premier ministre. Mou comprenne frustration non. Mais en dépit de frustration, nous kagen, nous énervé, nous fâché, nous estomaqué, mais pas oublier conseil présidentiel là depuis 25 avril. Depuis 25 avril, chaque décision yo prend yo engagé peuple haïtien. Yo pas engagé ni Emmanuel Vertiller ni Moïse Jean-Charles Petit Dessaline, yo pas engagé ni accord 21 décembre ni SDP, yo pas engagé ni Leslie Voltaire ni Formule Lavalas, ni Aristide, ni Maryse Narcisse, yo engagé pays d'Haïti, yo engagé peuple haïtien. Donc journée jodi yo. Tout ça nous pas d'accord avec yo, c'est bataille pour une bataille pour empêcher yo. Mes formules. Tout ça nous parler, tout ça nous pas d'accord, yo fait pour nous, yo imposer nous, nous supposer bataille pour nous défendre nous, pour nous changer donné yo, pour nous changer donne yo dans meneg yo. Parce que regardez comment meneg yo entend yo pour yo retirer Ariel Henry. À distance yo retirer Ariel Henry. Depuis fin février jusqu'à journée jodi a, Ariel pa jam ka mette point de pied dans la coupe pays d'Haïti. Yo te met affaire yo à distance, yo prend affaire yo à distance. Journée jodi a, yo ba nou Gary Koni à distance pendant le tout de yo di c'est li ka bon, c'est li ki bon et Gary Koni li déjà dou li même li préparé pour le travail. Réalité terrain. Ça qui a passé en dedans pays, ça qui a passé en dedans institution la police, problématique, est-ce que Gary Koni est bien imbu de yo? Ou bien est-ce que c'est même acteur ça yo qui était déjà sous place? Est-ce que c'est même zozo yes ça yo? Nèg tête en bas, moun tête en bas ça yo qui était déjà sous place, qui était déjà participé à commandité, à planifier misère, souffrance. Mauvais la vie peut pas ici. Est-ce que c'est eux-mêmes qui prennent le travail côte à côte de conseil avec Gary Koni? Parce que déjà, faut que je dise, c'est eux-mêmes déjà qui ont fait propagande, c'est eux-mêmes qui ont dit bienvenue, c'est eux qui ont battu bravo. Qui ça bagaille la pralie tout bon compatriote ici, François? Donc, déjà là, nous comprenons, nous savons qui est pour avec question politique dans la coupe d'Haïti, Gary Koni, son invitation lié c'est international qui invite le pour prendre place pour le monter bon table pour le chita sous table on comprend et puis li vini mais qu'en est-il véritablement de problème pays yo qu'en est-il véritablement de problème population peuple haïtien connait journée aujourd'hui mais nous rentrer là demain 1er juin nous rentrer tête baissée dans période cyclonique là nous rentrer dans mauvais vent nous rentrer dans période cyclone nous rentrer dans turbulence cyclonique là. On pays était déjà vulnérable, on pays était déjà dans une situation difficile, car nous avons empiré. Et par rapport à cette situation, ça, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, nous gagnons président de transition, Edgar de Blanc-Fils, et qui lui-même, matin là, il réagit pour aller gagner tout détail dans bon petit marmite. Et malgré des séries de bagages qui disent Edgar le Blanc-Fils, mais nous, Edgar le Blanc-Fils, pis jamais. Nèg la jamais, compatriote haïtien, frères et sœurs. On nous a suivi ensemble avec tout détail, toute explication. Li ta bay, non adresse, li ta fait dans cadre période cyclonique. On nous t'a dit. Monsieur Edgar le Blanc-Fils, président du conseil présidentiel. Messieurs les membres du conseil présidentiel de transition, monsieur le premier ministre intérimaire, monsieur le ministre AI de l'Intérieur et des collectivités territoriales, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, monsieur le directeur général de la police nationale, messieurs les membres du comité national de gestion des risques et des désastres, monsieur le chef des opérations, monsieur le directeur général de la mairie de Tabar, monsieur le directeur des opérations de la direction générale de la protection civile, encore, monsieur le coordonnateur de l'unité hydrométéorologique, mesdames et messieurs les membres du secrétariat permanent de gestion des risques de désastre, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers d'Haïti,
mesdames et messieurs les membres de la presse, honorables invités, chères concitoyennes, chers concitoyens. Dès ce samedi 1er juin jusqu'au 3 novembre, Haïti et les pays de la Caraïbe s'attendent à une saison cyclonique intense. Plus d'une quinzaine de tempêtes de cyclones et d'ouragans ont été annoncées par les centres météorologiques de la région et du continent. Le Conseil présidentiel de transition est conscient de la menace à laquelle nous allons devoir faire face ensemble pour protéger et venir en aide aux compatriotes vivant dans un environnement très fragile et en proie à d'énormes difficultés. Avec le secrétariat permanent de gestion des risques de désastre, la Direction générale de la protection civile, nous sommes mobilisés. Nous allons rester en alerte durant toute la saison. Tout sera mis en œuvre en vue de répondre aux situations les plus urgentes pour protéger et assister la population durant cette difficile période. C'est d'ailleurs avec un sens aigu de la responsabilité qui nous incombe que je m'apprête à inaugurer la nouvelle salle de crise bientôt équipée et opérationnelle du système national de gestion des risques de désastre pour marquer dans le réel le début officiel de la saison cyclonique 2024. Ces installations représentent une avancée significative pour la gestion des urgences en Haïti. Elles témoignent de notre engagement à améliorer constamment notre résilience face aux aléas naturels. Mesdames, messieurs les membres du secrétariat permanent de gestion des risques et désastres, cadre de la Direction générale de la protection civile, grâce au soutien financier de nos partenaires et aussi grâce à la détermination de la Direction générale de la protection civile, vous disposez aujourd'hui d'une infrastructure moderne conçue pour offrir les meilleures conditions de travail et vous permettre ainsi de vous acquitter de manière efficace de l'énorme tâche qui vous attend. La République d'Haïti est située dans une zone particulièrement vulnérable aux aléas naturels, comme les cyclones, les tremblements de terre, les inondations. Ces événements dangereux mettent à rude épreuve nos ressources et nos capacités de réponse. La nouvelle salle de crise inaugurée aujourd'hui est un outil essentiel qui permettra de mieux coordonner les efforts, d'améliorer la réactivité aux catastrophes et de garantir une protection plus efficace à nos concitoyens, à nos concitoyennes. L'inauguration de cette salle de crise et l'ouverture officielle de la saison cyclonique ne sont pas de simples événements symboliques. Ils incarnent pour le Conseil présidentiel de transition sa détermination à adresser avec lucidité, méthode et courage la problématique de l'insécurité sous toutes ses formes. Sa ferme volonté à améliorer aujourd'hui et encore plus demain la gestion des risques de désastre en Haïti. Il témoigne de son engagement à assurer à la population haïtienne la continuité des services essentiels, même en temps de crise, et à protéger tous les citoyens, toutes les citoyennes partout sur le territoire haïtien. Aujourd'hui, nous posons une pierre angulaire dans la construction d'un avenir plus sûr pour notre pays. Demain, nous en poserons d'autres dans d'autres domaines. Nous affirmons notre volonté de bâtir une Haïti résiliente, prête à faire face aux défis et capable de surmonter les obstacles multiples et divers. Cette nouvelle salle de crise sera au cœur de notre dispositif de gestion des risques, assurant une coordination optimale entre les différents acteurs du système national de gestion des risques de désastre. Je remercie très chaleureusement tous ceux-là, haïtiens et étrangers, qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Haïti en quatre coins pays, femmes ou garçons, saison cyclone 2004 là, capable malouk en pile, d'après scientifiques dans le domaine Sayo, d'après ça, scientifiques dans le domaine Sayo fait qu'on face à danger qui menace le pays, qui menace bien nous avec la vie, nous devons prendre en pile précautions.
porter en pile vigilance et puis préparez-nous. Préparez-nous tout bon parce que saison en cabret en pile. Dans l'idée pour aider nous parer, tant que chaque année, Direction générale protection civile et secrétariat permanent qui a géré risque avec désastre, apprend bon jamaisie année ça encore pour informer et puis sensibiliser sur danger cyclone yo la cause pour population capable réagir bien dans chaque situation. Pas négliger tendez, coûter et puis faire ça autorité yo, agent et volontaire protection civile yo dit nous faire sans manquer morceau. Partager information sa yo sur tout réseau, dans tout forum avec notre communauté nous pour nous aider à sauver la vie en de chaque grande famille. Ça, c'est rôle pas nous, citoyens, femmes, coups garçons dans tout pays. Moi mandé tout représentant ministériel dans tout pays pour assister centre opération urgence départementale, centre opération urgence communale, pote coller à toute autorité locale les situation urgence yo catastrophe rivée. En nous chaque jour rôle nous pour communauté nous cap paré. C'est thème direction protection civile Kembe pour saison cyclone Anessa. Même gens à la tête direction protection civile yo. Nous-mêmes dans pire au niveau d'état, nous encourager chaque monde dans le pays, chaque haïtien en particulier pour te coller pour nous river diminuer malheur qui prend Dieu sous tête nous. Pays nous en fragile en pile. Mais ça pas veut dire menace c'est une fatalité. Non. Qu'on dit ingénieur Claude Petit, c'est paré pour nous paré. Mesdames, messieurs, chers compatriotes. Notre engagement matérialisé par l'inauguration de cette salle de crise s'articule à une série d'actions stratégiques vise à renforcer la résilience de notre pays face aux catastrophes. À très court terme, il sera mis en place des programmes de formation intensifs pour les équipes de réponse aux urgences, afin d'améliorer les systèmes de communication, de développer des plans de contingence détaillés pour chaque type de risque et de renforcer les centres d'opération d'urgence. De plus, les efforts de sensibilisation de la population seront poursuivis. Les capacités des acteurs stratégiques et opérationnels renforcées. Toutes ces mesures visent à créer à long terme un environnement où chaque Haïtien, chaque Haïtienne peut se sentir en sécurité. Protéger nos citoyennes et nos citoyens partout sur le territoire national est une priorité absolue. Assurer leur sécurité est une exigence de l'heure. Okay. Aussi, membres du gouvernement, acteurs de la société civile, partenaires de la communauté internationale, tous ensemble, coude à coude, travaillons au renforcement de nos institutions à faire face aux catastrophes de tous ordres qui menacent notre cher Haïti. Merci. Et voilà, compatriotes haïtiens et frères, nous sommes Edgar Leblanc fils, qui lui-même, lui a parlé avec peuple haïtien dans l'occasion et période cyclonique là, qui a tombé dès demain 1er juin 2024. Et son période extrêmement difficile pour le peuple haïtien, nous sommes déjà vulnérables. Et bagaille le plus grave, l'on pas gagné autorité légitime encore. Notre pays qui pour prendre responsabilité yo, qui pour assurer engagement yo, qui pas qu'on est réellement yo bon mission yo bon devoir de service public yo doit accompli. Donc là moun yo là yo juste là comme ça, donc bien net population pas véritable souci yo, comprendre mettre l'ordre dans des ordres pas véritable souci yo. Et dans ce ça compatriotes haïtiens frères chers, nous connaît paysan nous yo, nous connaît moun qui dans situation vulnérable agriculteur nous yo, nous connaît madame Sarah nous yo, nous connaît moun ka vive dans tête monde yo, moun ka vive bon la vie yo. Depuis période cyclone nan rentré, c'est tête chargée, c'est problème lié pour yo. Donc là déjà conseil présidentiel là c'est comme si son garantie le bail, et surtout qu'on y a un premier ministre papa et yo annoncé population yo paré pour yo accompagner yo. Yo paré pour yo assister yo et dans situation difficile que yo a gagné et pour yo traverser. Donc là nous déjà comprendre, nous déjà connaît que conseil présidentiel là au moins et quand tu comme va le décaisser, vous comprendre? Pas étonnant, avant même 1er juin rentrer là demain et comme la chèque là est préparé, l'argent est préparé là pour le décaisser et à travers
OPC, à travers Office Protection Citoyen, à travers diverses autres organisations, organismes qui eux-mêmes ont impliqué dans la question de gérer risque, gérer désastre avec le gouvernement. Compatriotes haïtiens frères et sœurs, nous pouvons camper là en avance. Il y a d'autres informations extrêmement importantes pour nous partager avec vous. C'est le cas pour paysans nord-est, paysans pleine Maribaou, paysans pleine Marion, paysans et qui ont même dans Bara, côté que pasteur Moïse débarqué là avec yon moissonneuse flambant neuf, tout neuf, pour venir accompagner paysan. Mais pasteur Moïse gonjol fait bagay là. Paysan nord-est, yon gonjan là, gonjan yap takle, gonjan yap taget. Et Jacques Sauveur, Jean-Jacques Kito, son bagay phénoménal. Hein? On va être phénoménal. Paysan fait des séries de révélations. Si Jacques Kito a fait bagay ça, vraiment cher. Et bah elle a pas bon comme ça. Bah elle a pas bon comme ça. Mes amis, non. On a regardé attendez tout détail et comment paysan eux-mêmes yo accueilli moissonneuse qui fait débarquer, qui travaille, qui quantité travail parce que Moïse gète réalisé pour paysan yo et moun ka pédé CD a pédé moun qui voulait ba en coûte mais à la République son coûte mais a bail. On comprend? Donc, on nous a suivi, et ou même zami qui dans diaspora, qui t'a remé vraiment, vini investi, vini mette machine agricole disponible pour louer paysan, pour accompagner paysan, pour faciliter, faire travail en plus rapide et plus bien. Après, courage, on fait ça, parce que c'est extrêmement important si nous voulons sortir en bas dépendance République Dominicaine dans la question manger, dans la question vente, non. On nous en suivre ensemble avec. En général, monsieur, je vais vous montrer. Regardez ce qui passe, c'est que mon enfant fait du riz. Il va venir machine. Machine pour le couper. Oui. L'obligé de couper à la main. Et puis il vient mettre la gueule là que il peut même tabac. Mais son misère. En général, et c'est ça que nous dit mon que vous devez acheter machine pour venir investir. Parce que c'est ça l'agriculture. Regardez bien. Regardez. Le gros du riz comme ça pour se à la main et il a essayé de couper. Regardez, comment ça y est. Vous venez faire le compte là. Oui. Et puis là, vous fini. Que ou pas capable de prendre, ou pas capable de récolter. Non, bon, pas à cause de moissonneurs pas gagné. Et bien, et c'est ça que nous avons travaillé là-dedans. Là. Ou pas aller là, nous badger là, nous pas envahir, dire ça, parce que pas de grand-père, c'est ça travail. Parce que normalement, il faut nous faciliter, par exemple. Yes. Ça y est, les clés, amis, pas besoin qu'ils prennent le minimum. C'est ça, ça va là. C'est ça, là, c'est pour ça que nous regardons bien. Ou est-ce que regardez que à la main, je lui ai coupé parce que pas de moissonneuse. Et bien, encore que je dis à matin là, on va regarder ça matin là, je avec une moissonneuse. Mal couper ça pour nous cogner là, nos secondes là. Vous comprenez? Dans 30 minutes là, on va y ça parce que faut nous soulager, paysan, pour nous encourager. Et c'est ça la question là. Mais moissonneuse là. Mais moissonneuse là, entre là. Ça doit être ça la question là parce que il va possible, mon cher. Là, n'est-ce pas qu'à dormir, non? Non, non. Ça va poser. Allez, il va qu'à dormir, qu'elle va poser. Dis-lui, perdu là déjà. Attendez, il finit de faire du rien et puis il va qu'à récolter à cause de machines pour couper. Non, il va faire qu'un sens. Et qui ça vous dit encore? Vous dites, l'autre citoyen, comment ça le fait? S'il ne peut pas acheter du rien. Il va couper. Jacques, il te dit, s'il ne peut pas acheter du rien. Dis-moi là, qui vous me dit? S'il va acheter du rien, il va couper. Qui moun? Jacques, il Oh. Ça, il dit, a perdu. Il 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 a perdu. Depuis c'est pas les cachets de direct, il va couper. Il va couper. La fille, ils font ça encore. Ils font ça encore. Combien ils coupent même? 1000 gouttes. 1000 gouttes. Oui. Eh bien, moi, ce deux sabines là, et que nous allons gérer ici, ça. Vous pouvez me dire, fermez-vous. Ce qu'on peut dire, on la dit. Voilà, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, je n'ai pas regardé là. C'est moissonneuse qui a fait travail là, qui a facilité paysan yo fait travail là plus rapide. Et c'est pas un bel bagaille, c'est pas un gros bagaille, c'est un gros bagaille. Parce que travail moun nan te ka mete yon mois pour le faire, dans deux jours le ka fin faire. Imagine un paysan qui gagne par exemple. Je nous dis là que on faut ti camper pasteur Moïse là, on regarde vaste a. Imagine un paysan qui gagne par exemple au ka hôtel planter du riz.
Si le gros machine agricole qui ka facilité le récolte là, faire récolte là plus rapide, qui ka prend 2 3 jours pour le faire à la machine qui moissonneuse ka pé déli. Si le pas moissonneuse compatriote haïtien frères sœurs, pousser avec couteau, pousser avec manchette avec serpette et paysan pour couper du riz, ouais combien de temps ça ka prend? Ouais combien de jours ça ka prend? Donc journée aujourd'hui il faut que nous comprenions l'importance machine agricole, l'importance outils agricoles. Donc depuis qu'il y a possibilité, depuis qu'il y a moyen pour nous mettre camper en entreprise comme ça en Haïti, là non seulement profitable rentable pour mais là aider tout la paix des paysans nous, la paix des agriculteurs nous. Faut que nous pensions à ça. Et on avance. Population a des problèmes machine. Du riz a fin fait. Il y a pas de machine pour couper du riz. Et bien encore que nous obligés à là, il faut encore que déposer machine là flambe neuf pour couper du riz et sa question est well et puis il y a qu'à couper là flambe neuf couper du riz et comment ça c'est pas blague ça plus rapide couper du riz. L'état pas fait, oui. C'est ça l'état pas fait pour accompagner moun yo, oui. Si nous gon l'état k'ap réfléchi, l'état k'ap pense pour nos compatriotes haïtien frères chèm. Journée jodi an la, paysan yo tap tellement gen moyen pour yo faire production à grande échelle. Nous pas tap nan question production subsistance, agriculture de subsistance. Moun nan journée jodi a paysan nou yo ki gen tite a yap cultiver, yap planter la dan. Mais c'est pour yo manger ak pour yo vendre pour yo subvenir à besoin yo. Mais si gen moyen l'état met à la disposition moun yo banque agricole yo mette machine agricole disponible paysan yo ka décidé yo a fait yo a fait ferme agricole sous grande superficie parce que a gen moyen disponible yo a konnen li pa pon problème pour yo kounya c'est pas question vente mais c'est question développement c'est question mette campé entreprise agroalimentaire mette campé bon genre entreprise et faire produit pour vendre en Haïti, faire produit pour exporter, voyal vendre l'autre bord l'eau. Et puis, il y a créé travail, il y a créé emploi, et puis, il y a fait ce pays nous a développé. Mais malheureusement, son paquet de volets qui passe dans tête l'État, qui mettait Haïti côté lié journée et jour en là. Mais réalité, quatre valets. Pasteur Moïse déterminé, Pasteur Moïse dit pas de campé. Nous comprenons. Nous comprenons notre motivation sorti parce que les mêmes livres les bas en coup de main. Est-ce que c'est ministre agriculturier? Non. Est-ce que c'est premier ministre? Non. Mais il y a nécessité pour le bataille, pour l'aider, la fêter. C'est ça nous besoin. Nous besoin de monde qui a pensé pour payer. Nous besoin de monde qui croit dans le changement pour payer. Vous comprenez? Nous prenons un paquet de matoman, nous prenons un paquet de bluff, nous prenons un paquet de escamote. Nous voyons qui s'est passé avec vous. Nous, oui, qui ça y'a gonne déjà. Mais le pays a gagné opportunité. Les malheureux et malheureux gagné opportunité pour yon jouen moun. Yon jouen nos chances pour yon jouen moun kap passe avec yon. Moun kap travail pour yon, moun kap travail dans l'intérêt yon. Donc c'est tout normal pour yon apprécier ça. C'est tout normal. La travail paysan ta fait non mois, non 10 jours, non 15 jours, non 2 jours l'a fait avec moissonneuse nan. Pas gagné comme Pagé campé. Moi franchement, vraiment apprécié initiative là. Tendez sous paysan d'où Jacquito te kon coupé pour yo à 1000 goud. Si vous venez avec machine agricole ou dit par exemple, ou même pas faire la 1000 goud, ou faire la 500 goud. Ou faire la 750 goud. Ou faire la 800 goud pour yo. Déjà paysan déjà économisé en 400 goud. L'a économisé en 250 goud. Sou di wa faire la 600 goud. Ou combien cob la fait? L'a serré. Sou di wa faire la 500 goud. Ou combien cob la serré? Sou di la wa faire la 750 goud. Ou combien cob la serré? Donc tout ça c'est des moyens nous ba c'est des avantages n'a pour les paysans yo. Ka bon pour yo. Ça va nous couper déjà. C'est pas moissonneuse. Nous pas moissonneuse pour couper du riz. C'est dans 4 salages qui a nous déposé. Donc moissonneuse pour nous. Mm-hmm.
Bien, donc là, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, nous avons une idée déjà de comment et travail la fête, de comment la situation lui-même, l'IAP, évolue. Donc, c'est ça nous besoin. Nous besoin là, dans la communauté haïtienne, les amis qui sont dans la diaspora, qui ont facilité, qui jouent une machine accessible à très bon prix. N'a pas encouragé. Bon paquet de département là qui a fait canal. C'est la révolution agricole qui a commencé. Et dans le département sud, moun tobe qui a fait canal. Dans le nord-est, moun malfeti, moun nan plein Bamariba ou moun wana met a fait canal, moun farine a fait canal, nou gwo paquet lot et commune, secteur communal, moun yo paysan yo déterminé pour yo faire canal. De pou gen canal ou gen de l'eau, mais gen ou gen terre, gen possibilité pour gen manger. Mais kounye a faut nous créer facilité, faut nous créer et possibilité pour moins temps perdu pour nous récupérer au paquet temps avec machine agricole, avec outils agricole. Ton paysan te kon prend pour par exemple récolter du riz. S'il te kon prend yon mois à la main ou bien deux semaines à la main avec une machine agricole, li ka fait deux jours. Avec une moissonneuse, li ka fait deux trois jours. Donc tout temps ça c'est temps li récupérer pour le replanter encore etc. Donc faut que nous pensions, faut que nous gardions possibilité qui gagnent pour nous mettre bagay sa en application et d'ailleurs si nous disons après nous fin faire canal nous camper. Nous dit après nous fin faire canal, nous just et ap suivre ap garder ça qu'a fait après. C'est temps perdu la pied parce que depuis nous pas faire rien avec gloire, depuis nous pas faire rien, nous pas bail paysan yo moyen pour yo avancer, nous pas bail paysan yo moyen pour yo pour yo produire plus. Donc c'est corver la pied, c'est laver messi à terre. Et dans ce sens ça compatriote haïtien frère chum, un véritable projet là que moun malfaiti agronome cosmos a équipe li gen là. M'pa kache di nou compatriotes haïtien frères sœurs, c'est parti projet. Ki sa bagay lan ye? C'est rive planter 1 million of fruitier. 1 million of fruitier. Et ceci compatriotes haïtien frères sœurs, c'est dans toute plaine nan nord-est. Yo a planté dans plaine Marion, plaine Maribaou. Yo pral planter toute qualité pied bois, yo pral planter et citron, yo pral planter et chadec, yo pral planter yo pral planter lame, yo pral planter un paquet bagay. Donc nous gagnons agronome cosmos qui gagne temps commencer préparer pépinière li là et travail avancé compatriote haïtien frères chum. M'pral permettre nous visiter comment bay yo a fait là parce que après canal faut gen moyen, faut gagner l'autre opportunité qui créé pour nous véritablement sortir en bas dépendance République Dominicaine. On nous a regardé, on nous a fait une visite dans pépinière qui commençait à préparer là. On a... Bonjour, bonsoir à tous les amis internautes. C'est avec un plaisir et après-midi à la pour nous présent dans annexe pépinière de l'univers du côté des malfaits. Alors nous connaissons comment qui ça représente et dans affaires agriculture et dans le pays d'Haïti, mesdames, messieurs. Alors nous avons un agronome et Cosmox lui-même qui a fait un gros travail et nous capable dit à travers et bien construction canalio et ensuite qui mettait à la disposition service li à la disposition et pour que et en pile monde qui t'avait besoin et bien des fruits et non wana mettre et dans divers départements pays capable toujours rejoindre. Alors nous pour quitter avec agronome Cosmos qui va nous plus détails, nous pour faire et petit parler avec agronome Cosmos qui va nous plus détails et des pépinières et ici là qui dans espace là. Alors il y a une filière qui me travaille là dans plus dans agriculture là, c'est filière et pépinière. Alors préparer plantil, azur ça les pépinières là. OK, nous capable remarquer là et c'est un petit pépinière qui vient là pour côté me rester à même lieu parce que gros pépinière même gagne quelque part là plus sur route nationale aussi. C'est là mettre plantil là. Si on monte sorti fort liberté voilà, mais tout dit non n'importe côté venir acheter en plante, on va obligé entrer dans fond pour acheter le météo là. Et puis c'est ça tant que ça c'est un annexe quand besoin on vient dans chaque mal point dans groupe pépinière en dedans et puis nous déposer là on ça tout gagne le moment tout me fait là tout me fait et dis nous qui genre de plante que gagne là pour peuple si toutefois gagne monde qui t'a besoin et on fois plus capable connait que mais qui côté a besoin qui genre de plante que gagne à la disposition. En réalité c'est moi-même mon objectif moi c'est fruit moi me fait plante fruitier ouais gagne pépinière c'est fleur ou faire c'est forêt
et plantes forestières. Mais non, moi-même, c'est fruits sains non préparés. Raison, c'est pour qu'on ait l'autre retombé dans le développement du pays d'Haïti. Ça nous a yes. perdu, espèce que nous perdu pour être capable de rebalancer ensemble avec vous. C'est ça que vous mettez garder là. Vous n'avez pas de droit à une plante là, c'est pour un filier. Voilà, c'est mango trop douce. Avec là, c'est mango Baptiste. Là, Baptiste encore, Baptiste trop douce. C'est deux mangos qui sont plus préparés ici. Il y a l'autre département dans le pays, c'est mango français qui puisse parler. Mais ici, là, dans la zone dans le département nord-est, c'est mango Baptiste avec trop douce qui plus vend. Alors, mango qui puisse commercialiser, c'est lui obligé de préparer. Par exemple, là, vous ne pouvez pas préparer là. Ouais, ça, c'est un greffe. Il y a plusieurs greffes. Vous pouvez vous faire une vente de deux pieds. Vous connaissez ça là. Ça, c'est un mango Kodok. Oui, m'a retiré ça. Et nous, m'a retiré. C'est pour qui ça va retirer? Oui, ça m'a retiré. C'est un mango Kodok. Premier, il y a le pot de greffe là. Non, greffe, il y a deux parties. Il y a un pot de greffe avec un greffon. Ouais là, je me fais en greffe en fente. Et puis, je me fais pour greffon en tant que son pour une louchette qui bat. Et puis, je me suis marié avec un tape. Quand il y a un camp, je le prends. Ça, c'est un mango Baptiste, je me mets sous les là. Ouais. Dans 5-6 mois là, après, ça a fleuri pour le donner. Ok? Et là, je le donne à tout temps. Quand il y a 6 mois, il y a un petit boisson qui paraît là, développé. Là, pour aller râler ça, là, ça va manquer grandi. Mango Baptiste, ça va manquer grandi, c'est lui-même qui a développé. Parce que c'est lui-même qui est propre à. Qui est naturel là. Ça, c'est un Mango Baptiste qui me met sous lui. Nous, à côté, nous faisons connexion. Par exemple, un petit bouge, à côté de la pété. Si je quitte ça à pété, je quitte développé, il y a une possibilité pour ça à Bambion Mango Kodok, ça à Bambion Baptiste. Ok, qu'on est obligé d'éliminer lui. Mais éliminer pour ça, capable de grandir. Quand il fait une bénette, qu'on est s'il vous plaît, je vais mettre l'autre mangue sur lui ou bien quitter l'autre branche comme ça, lever. C'est préparation ça nous fait pour le pays capable de charger avec fouille. Parce que tout fouillot, je dis à la, c'est dans la République Dominicaine, n'a pas chance, même si on est dans la République Dominicaine. Mm-hmm. Mais nous préparons les citrus. Par exemple, là, on parle de citrus, nous avons citron, chardec, zorensure et mandarine. Et zones douces. Ça veut dire là où tout profite à faire un nettoyage. Oui, ça, là. Ou pas qu'à quitter yo. Sous quitter yo. Terre, éléments qui viennent dans terre que vous préparez pour faire plante à grandir. La brale yo. Tout si râle yo, plante à manger grandir. C'est ça que nous-mêmes. Depuis ça, on paraît là, nous devons retirer yo. Nous retirer yo de façon pour plante à même qu'à grandir. Nous préparons ici à la Nèg jam. Combattant. Courou sol. Ouais, cachimant. Ok. Et quand ça nous prépare, là, c'est rise. Ok? Là, c'est l'âme véritable. Mais, projet, même, c'est rise. Objectif, moi, je ne sais pas si devant, ça, bon Dieu, pour le dire. Objectif, moi, c'est rive, planter 1 000 000 pieds de fruits dans pleine Marion et pleine Maribao. Objectif, là, c'est rive, planter 1 000 000 pieds de fruits dans pleine Marion et pleine Maribao. C'est pas projet. On fait des belles pieds là. Dans le département nord-est, mais, à savoir pleine Marion et pleine Mariba. Oui, comme ça nous plaît. Mais à Gordon Cosmos, pour arriver à atteindre l'objectif, est-ce que vous avez un groupe ou bien un staff de monde qui a supporté ou bien c'est vous-même propre avec faible moyen pour qui est arrivé à atteindre l'objectif? Bon, moi-même, je suis dans plusieurs classes de jeunes que nous formons dans la zone et dans la façon que nous fonctionnons, depuis nous sensibiliser. Il va entrer là-dedans. Et peut-être plus devant tout, nous avons demandé support pour nous faire pareil ça. Yo. Parce que imaginez, chasseur ça, c'est chasseur 20 par 20. Il y a un grain de 25 dollars et 25 gouttes. Chasseur 18 par 18, il y a un grain de 20 et 20 gouttes. Pour faire pareil ça. Yo. C'est comme cap dépensé. Là-bas, il est très coûté. Moi, je suis venu là, l'autre semaine. Alors, c'est un petit qui a 10 ans là, qui est Michael Bien. C'est deuxième suite là. Papa, préparé qui a fait bagage ça, ok? Il prend pour vendre. Ça, c'est service que je préparé pour vendre pour l'acheter bicyclette. Li. Papa, pendant que la plante a grandi, moi-même, si je suis papa, quand papa l'a levé, je me retire. Je me retire, je me mettre dans l'autre chasseur, en dimension 5x7. Qu'on est à ça là, et puis qu'on est à planter dans le jardin, ou bien vendre mon qui veut plant papaye.
OK? Pour ça nous préparer aussi. Même j'ai tout garde notre préparation pour faire. Là encore. Voilà nous si mais j'aurais su là qu'on a pour lever au mettre dans chasseur et puis qu'on a chaque ça va bon mon pied et puis mangue là pour continuer grandir. Vous voyez? Dans la pépinière. Là. Là me prend gros couille, c'est parce que c'est pour pays d'Haïti, c'est n'est pas même pays là. On va préparer encore parce que nous devons préparer plus de 15 000 plantes de coco et nous devons vendre dans le Grand Sud là. À cause des problèmes de temps, fait que nous ne devons pas vendre coco. C'est l'argent des points à l'intérêt dans ce sol. Nous perdons tout coco. Même si nous avons une belle qui est plantée, mais nous perdons l'argent. Pour arriver à payer encore, il n'y a pas de doux. Mais nous ne devons pas décourager. Nous avons une plante là, il besoin de planter dans la couille qui est là. Ça, c'est une cire, là, c'est un citron qui me mettre dans vos chasseurs. Et puis, c'est mango. Ma peine à préparer là. Tant comme nous là, c'est un annexe. C'est qui ça? C'est un sapin à pépinière, oui. C'est un échantillon. Ouais. Ça, c'est bien qui me prépare là. Je vais mettre les papayes dans eux avec un ici. Et puis, je vais ranger ça là. Ouais. Ouais, si vous comprenez, vous prenez, mettez dans vos chasseurs. Ok? Vous prenez ça là. Vous mettez dans vos chasseurs. Et après, vous avez vu dans vos terres ça là. Et puis, vous vendez. Là, dans vos terres ça là, vous vendez mini good. Et quand puis vous passez, vous vendez même 1250 gouttes, même 1500 gouttes. Comme ça, vous avez 200 gouttes, vous avez 250 gouttes. Alors, minimum, c'est sorti dans 200 gouttes jusqu'à arriver 1000 gouttes, jusqu'à arriver 1500 gouttes. Ça dépend tout. Vous avez un peu de préparer cap tout donner. Par exemple, le greffe, vous avez vendu plus cher. Vous avez un peu orange, vous avez un peu de qui a tout donné. Nous avons arrivé à vendre plus cher. Après ça, c'est comme ça nous avons bâillé. Après, toute plante nette en général, c'est plante fruit. Nous avons mis ou là pour dire qui côté gagne en plante là où c'est forêt. Pas une forêt. Là, je vais remarquer là, toute plante que moi là, c'est fruit. L'OMZU, c'est projet planté 1 million, alors après canal là, et bien pourquoi j'aime l'an de me lancer là, non, pourquoi j'aime le canal là, et bien pour nous planter 1 million plantes fruitiers à travers plein de Marion et plein de Maribao. Vous connaissez ça, qui j'en apprends lié? C'est pas projet qui n'a pas le faire planter plantes dans la rue et puis pas de continuité. Après, c'est un barrage qui a bien balancé, mais après plantation, il faut nous avoir environ 8 mois de suivi. Et ceci, c'est dans la terre, dans le jardin, Mounsa, nous avons 10 plantes qui ont besoin. Nous avons besoin de 2 pieds lames. Nous avons besoin de 2 pieds lames pour lui. Nous avons besoin de 5 pieds lames pour lui. Nous avons besoin de 5 pieds lames pour lui. Nous avons besoin de 5 pieds lames pour lui. Nous finissons dans la terre. Nous avons besoin de l'autre terre. Parce que Mounsa a arrosé. Nous avons besoin de service. Nous avons besoin de l'appareil même. Exactement. Mais nous avons besoin de l'arrière. Pas que Mounsa a pris responsabilité. Ouais, pas que Mounsa a pris responsabilité pour qu'il arrose une plante qui est dans la rue. Ok, c'est ça que fait nous-mêmes. C'est dans plein Maribaro, c'est dans plein Marion que bagay sa roi nous vient pour nous faire. Agronome Cosmos, nous te content pour te visiter et pépinière et que vous même pépinière de l'univers, normal petit. D'accord, merci un peu. On nous font petit camper là, Agronome Cosmos, il mérite un gros bravo. Il mérite un gros coup de chapeau, il mérite encourager. Donc on pour qui ça compatriote haïtien frère Sem. Parce que on garçon rien comme ça cap travail, il pas seulement contenté pour le dire la faire canal. Li pas seulement contentel pour le dire, li pral chercher de l'eau. Li pas seulement contentel pour le dire, li pral garder qui possibilité, qui ça joine, qui moyen, qui opportunité qui offre devant lui. Qui porte qui l'ouvre devant pour le faire canal, li mette dans tête puis après canal qui ça nous ka faire encore. Après canal comment nous ka créer l'autre opportunité, comment nous ka ouvrir porte. Moun te ouvri porte pour nous te faire canal ça pour nous te joindre l'eau pour nous éter nous pour nous jardin nous pour nous produire et bien après canal là comment moi même comment équipe moi nous ka ouvri porte pour l'autre moun pour yo gen un petit kichoy pour yo gen l'autre opportunité qui offre à yo même pour yo créer pour yo produire pour Haïti ka gagner manger pour Haïti ka répondre avec besoin alimentaire li. Eh bien, dans ce sens, le projet planté 1 million de fruitiers à compatriotes haïtiens, frères et sœurs. Le projet ça a planté, c'est le fait qui t'a supposé gagner un ordre dessus. Nous connaissons pour qui raison, compatriotes haïtiens, frères et sœurs. Je vais prendre un exemple simple. Yon pied papaye, l'op planté yon pied papaye,
le papa est arrivé donné ou gen yon papa nan men ou et avant-hier nous te gen yon vidéo m'te partager avec nous on green papa ou gen nan men ou qui gen en dans li 200 green minimum c'est 200 moun bon nous pas dit 200 moun non si chaque moun t'a pon ti green papa yo metel nan tè c'est 200 moun peut-être qui gagne opportunité pour vivre autonome avec green papa isa li mette nan terre. Donc ou imagine si chaque green haïtien gagne même enthousiasme ça si chaque green haïtien gagne même vision ça pour yo di yo pral planter fui pour chaque green haïtien dit ah bon prend tel domaine bon garder tel domaine bon regrouper ma tel groupe moun bon faire telle association nous comment nous ka aider Haïti c'est pas nous tout qui ka faire du riz. C'est pas nous tous qui ca fait patate, c'est pas nous tous qui ca fait l'âme véritable, c'est pas nous tous qui ca fait orange, c'est pas nous tous qui ca fait papaye, qui ca fait chadec. Mais là nous étudier possibilité pour nous offrir opportunité avec l'autre monde. Qui peut-être yo même pas de chance pour yo joindre un monde sous chimère, yo penser pour yo penser avec yo. Là nous ouvrir l'autre porte, porte ouvrir, elle va l'ouvrir l'autre porte puis devant ici de suite. Et c'est stabilité n'a mettre dans l'économie nous. Parce que m'a regardé ti banane chétria Saint-Domingue. Ti zon ici ou wat lan Saint-Domingue. Ti piment sans rec lan Saint-Domingue. Ti concombre sans rec lan Saint-Domingue. Tout bagay c'est la caille voisine mais si nous fait là. Si nous fait dans nord-est. Si nous créer autosuffisance alimentaire là dans nord-est. Si nous créer autosuffisance alimentaire là dans plaine Bamaribaou. Si plaine Bamaribaou gè capacité pour le voyer dans tout grand nord. Si nord-est gè possibilité pour le voyer dans nord-ouest, pour le voyer dans grand nord etc. Est-ce que nous ouais? Est-ce que nous ouais qui sa grand vision qu'a fait compatriote haïtien frère Sam? Donc déjà là moi-même franchement m'encourager à Agronome Cosmos pour le kembe dans même voie ça dans même ligne ça parce que gain espoir et oui gain espoir espoir pas fini espoir pas péri pour Haïti. Compatriote haïtien frère Sam mais c'est là n'a mettre un bout dans émission pour aujourd'hui hein. C'est un véritable plaisir pour nous te partager information si là à coup pour nous te kembe informer pour te rester connecté déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là pas hésiter à abonner. Activez la cloche de notification, comme ça vous pouvez être connecté avec nous. Et pendant le week-end, il y a un pile update qui a gagné pour venir, puisque Gary Koni, préparation a fait pour le rentrer. Rentrer, le rentrer, c'est le gouvernement qui va le préparer, c'est le choix membre gouvernement qui a gagné pour le faire, pour le sortir, arrêter, pour le présenter, membre gouvernement avec le pays. Donc, c'est un week-end qui a vraiment chargé en information. Et m'a dit merci parce que tu as suivi nous, merci parce que tu as partagé. Et vidéo, restez connecté à la chaîne. Rendez-vous à la casse dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Vous êtes haïtien, vous aimez pays, et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial, vous dites tout. Émission Mon Éditorial, c'est l'espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si nous dit pour vivre vendredi depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Bon là pour bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick là, même voix. Oh yeah.